Les graines de papaye et le secret caché derrière. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs conseils, les meilleurs remèdes naturels faits maison, allez juste devant le bouton abonner, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Ensuite, vous aurez 3 forfaits. À partir de 1 euro et quelques centimes par mois, choisissez le forfait qui vous convient le mieux en fonction des avantages qui vont avec. Ça vous donnera la possibilité de bénéficier de tous les avantages réservés uniquement aux membres. Donc mes amours, sans plus tarder, let's go. Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone. Beaucoup de gens ne savent pas s'il est conseillé ou non de manger les pelures et les graines de certains fruits et légumes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces parties de la nourriture, la plupart du temps, sont vraiment bénéfiques et peuvent apporter beaucoup de nutriments. La graine de papaye, par exemple, est une option très nutritive et peut être utilisée de nombreuses façons dans la vie quotidienne. Découvrez maintenant tous les avantages de la graine de papaye et à quoi elle sert. Il combat la constipation parce qu'elle contient une énorme quantité de fibres dans sa composition. La graine de papaye est connue pour être puissante dans la lutte contre la constipation. Il favorise une meilleure fonction intestinale, évitant ainsi la constipation et les ballonnements d'estomac. Il renforce l'immunité. Plusieurs de ces substances, en particulier la cape, ont une action anti-inflammatoire, ce qui aide à prévenir de nombreuses maladies, du rhume à la maladie d'Alzheimer. Car le stress oxydatif est évité, provoqué par l'action des radicaux libres dans le corps. Il protège la santé des yeux et de la peau. La graine de papaye regorge de vitamines, en particulier vitamines A et C, toutes deux directement liées à la santé des yeux et de la peau. Il protège le cœur. Les graines de papaye sont également pleines de minéraux importants comme le potassium. Ce minéral est essentiel pour la santé cardiovasculaire et peut renforcer les os, ainsi que pour soulager les douleurs corporelles et protéger le système nerveux. Excellent pour le foie, car les graines de papaye sont très efficaces pour le traitement de la cirrhose. Il suffit de 5 ou 6 graines par jour, broyées et mélangées dans votre repas ou le thé, ou directement avec sa pulpe. Ajoutez 6 graines au moment où vous mixez la pulpe et consommez ceci au moins un verre par jour pendant un mois. Vous pouvez effectuer un nettoyage du corps pour aider le processus de guérison et de nettoyage du foie en les mélangeant avec du jus de citron sucré au miel et à prendre pendant 30 jours. Pour les reins, les graines de papaye, en plus d'améliorer la santé rénale, empêchent le dysfonctionnement des reins et empêche même l'oxydation en gardant la santé des organes à jour. Pour le cancer, si vous avez besoin de lutter contre le cancer de la prostate, des reins, du côlon, de l'utérus, des poumons ou leucémie, utilisez cette graine. La présence en elle d'un élément naturel appelé isocyanate aidera à combattre les humeurs. Selon certaines études sur le cholestérol, les graines de papaye aident à combattre le mauvais cholestérol dû aux nutriments et fibres qui existent à l'intérieur et dont sa consommation est fortement recommandée. Les graines de ce fruit peuvent également tuer les bactéries qui causent les infections telles que staphylocoque, E. coli, salmonella. Maintenant, avant qu'on ne passe à la recette, sachez également qu'il permet d'éliminer les vers intestinaux. Apprenons comment consommer correctement ces graines. Vous pouvez les consommer avec la pulpe de papaye naturelle, dans les salades ou les soupes ou les bouillons, les smoothies. Les contre-indications, malgré tous les avantages des graines de papaye, ils doivent être évités pour les femmes enceintes et les nourrissons.
C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Likez la vidéo, commentez-la et surtout partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube Au cœur du bien-être, nous partageons minimum 2 vidéos chaque jour. Donc, abonnez-vous et surtout rassurez-vous d'avoir activé toutes vos notifications pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. On va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.